C'est pas en restant ici qu'on va trouver quelque chose, tu crois pas? Tu veux bouger? Et bon, bouge, mais alors te plains pas si t'es perdu après, d'accord? Mais oui, c'est bon, t'inquiète. De toute façon, t'es oublié, j'ai un super sens de l'orientation. Oh, merci! J'ai l'impression que je ne suis jamais venue. Est-ce que je dois prendre le risque de les manger ou pas? Je sais pas si j'ai bien fait de les manger, je commence à avoir la tête qui tourne. Bon, regarde, t'es fière de toi, c'est une plaine vide, y a absolument rien. Attends, me dis pas quand même que t'as pas retenu le chemin, quoi. Et toi? Avec ton super sens de l'orientation. Bon, c'est pas grave. Heureusement, j'ai le GPS sur mon téléphone. Tu crois vraiment qu'on va capter la Wi-Fi sur cette forêt? Francky, tu sais quoi? Je vais te dire un truc. Je te déteste. Je te hais. D'accord? Je te hais. Je te hais plus que tout au monde. Calme-toi, on va s'en sortir, Goulia, d'accord? T'as pas besoin de te mettre en colère comme ça. Pas besoin de me mettre en colère? Non mais tu rigoles, j'espère, ou quoi? Arrête, s'il te plaît, tu me fais peur. Waouh. J'ai tellement mal à la tête que j'ai l'impression qu'il y a des voix qui sont en train de s'engueuler dans ma tête. Et ces voix ressemblent étrangement à celles de Goulia et de Francky. Je suis complètement en train d'halluciner. T'as entendu ce rire? Oui, et vu le rire de Cassos que c'était, j'ai l'impression qu'il m'était familier en fait. On aurait dit celui de Draculaura. Ouais, Draculaura. Mais non, c'était pas dans ma tête. Puisque ça provenait de là-bas. C'était bien de là-bas que ça provenait ce bruit. Attends, tu crois qu'elle est dans cette forêt? Mais ouais, mais en plus ça tient trop la route, attends. On est dans la piscine, tranquille, et là, plus rien d'un coup, plus aucun souvenir. Il y a un gros tourbillon d'eau et Draculaura se fait emporter. C'est cohérent. Et elle se réveille comme nous dans cette forêt, on sait même pas pourquoi on est là. Et elle essaye de survivre avec ce qu'elle trouve et... Ouais, ça tient trop la route. Mais qu'on retrouve Draculaura ou non, on sortira pas de cet endroit. Et peut-être, mais on sera plus que deux, on sera trois. Et la troisième, ce serait Draculaura. C'est mieux, non? Ouais. Elle est où? Tu me poses cette question, j'en sais rien moi. T'as qu'à l'appeler, on va voir si elle répondra. Ok. Draculaura? Draculaura? Draculaura, c'est nous, s'il te plaît, réponds. Francky? Goulia? Non, c'est ma tête, c'est ma tête, c'est ma tête, c'est pas possible. C'est pas elle. Tu vois, elle répond pas. Ça veut dire que c'est juste notre imagination. Non, c'est pas possible. Pourquoi on aurait pensé à la même chose au même moment, toutes les deux? On aurait entendu cette fille rigoler comme Draculaura. C'est étrange. C'est peut-être juste l'envie de la retrouver, non? Je sais pas. Bon. On essaie de retrouver cet endroit ou on campe ici? Bah... On le retrouve, quelle question. Ça me paraît presque impossible de sortir d'ici. Ouais, moi aussi. Pourquoi on est là? J'arriverai jamais à comprendre. Bon, le seul moyen de s'en rendre compte, c'est l'aller là où les voix se dirigent. Donc, ma petite Draculaura, on va se lever et on va y aller. Allez, prends ton courage à deux mains, Draculaura. Tu peux le faire. Ah! Rien, rien. Toujours rien. C'est quoi ça là-bas? C'est le pario de Goulia. Je suis pas folle. Elles sont bien dans cette forêt. Je parie que c'est pour moi qu'elles sont venues. Je vais le prendre avec moi et quand je la retrouverai, je le donnerai. Et si je la retrouve pas? No!
non, impossible, la forêt est assez grande, mais bon, quand même, enfin, c'est bon, Dracula, t'inquiète pas. Tu vas les retrouver, enfin, j'espère. Enfin, oui, pourquoi je me pose cette question? Oh, je suis bête. Bon, allez, les Goulias, on se pose, on a trouvé cette grotte. Ça suffit, non? Ça me rappelle un endroit étrange. C'était là. Oui, c'est là que je me suis perdue. On est bientôt arrivés, Frankie, on va rentrer chez nous. Et laisser Dracula toute seule? Non, on va la retrouver, enfin. Au pire, on attendra qu'elle vienne à nous, c'est bon. Pense qu'à toi, en fait. Tu t'en fous, Dracula, ou quoi? Ben, on va dire que je serais pas allée la chercher, quoi. Non, mais c'est une blague! Goliath, franchement, tu... J'ai aucun mot pour décrire ce que je ressens là, c'est de la trahison. Ça aurait été moi, t'aurais fait la même chose, c'est ça? Mais non, enfin... Frankie, c'est pas que je t'aime pas, mais voilà, je veux pas me risquer ma vie pour les autres. Mon Dieu, mais t'es qu'une sale garce, en fait. Je te pensais pas comme ça. Oh, c'est bon, hein. On avance ou on avance pas? Non, cet endroit est bien pour la nuit, on va rester ici. Et puis, je vais réfléchir à ce qui vient de se passer. Je sais pas si je peux continuer cette aventure avec toi, après ce que tu m'as dit. T'as qu'à rentrer toute seule et moi, je cherche Dracula. Frankie, si je te laisse toute seule, tu vas mourir. T'en es consciente de ça? On est tout le temps en train de s'engueuler, on n'est jamais d'accord. Alors franchement, ça me sert à rien de rester avec toi, quoi. Ok, ben je rentre chez moi toute seule, alors salut! Goulia, fais attention là où tu marches, il y a un bout de bois. Mais je vois pas du... Ah! Goulia! Goulia, ça va? Goulia, s'il te plaît, réponds, je t'en prie, là, c'est pas le moment de faire un traumatisme crânien. Goulia... Wow, je te parle, Goulia, s'il te plaît, réponds-moi, merci.